أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. Avant de commencer ce cours, une petite introduction avec une question. Des fois, je dis aux frères et aux sœurs, le mois du Ramadan est le mois de la guérison. Le mois de la guérison. Le mois de la soumission à Allah Azza wa Jal. Shahru Shifa. Il y a le Coran Shifa, parce que le Coran est une guérison. C'est le mois de la soumission à Allah Azza wa Jal. Là, je me sens dépendant totalement d'Allah Azza wa Jal. C'est celui qui me donne à boire et c'est celui qui me donne à manger. Alors, lié à notre cours d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire aussi, le mois de Ramadan et le mois de Shahr Ramadan, c'est le mois de la générosité. Il a plusieurs attributs. Un de ses fêtes kafir à Shahr Ramadan. C'est très important. Ramadan Karim. Ah, le Karam. C'est le mois de la générosité. C'est le mois du Coran. Voilà. C'est le mois aussi. Subhanallah. Du pardon, barakallahu fik. Yusfa al-qalb. Le cœur devient pur. الشهوة تمشي الشهوات والعنطازية والكبر l'orgueil. Moi je suis fort, je mange comme je veux. Oh, tu ne manges pas comme tu veux. À condition qu'on maîtrise bien sûr notre nourriture. C'est le mois de la baraka. Lié à notre... Voilà, c'est le mois de la rahma, de la miséricorde. Bien sûr, ça c'est juste. C'est rahma. Le Coran est une rahma. C'est un mois de Shahru Huda. Bayinat min al Huda wal Furqan. Shahru al Furqan. Shahru Furqan. C'est le mois du discernement. Mais lié à notre cours, je peux alors je vous dis Shahru Dua. Shahru. Alors, men. يذكر لي دليلا على أن رمضان شهر الدعاء. Donnez-moi un verset et un hadith prouve que le mois du Ramadan est le mois des supplications. Donc, de l'exaucement, شهر استجابة الدعاء. C'est le mois de l'exaucement. Voilà. وإذا سألك عبادي. جاءت في. بعد آيات الصيام. شهر رمضان وإذا سألك عبادي عني. Donc si mes serviteurs t'interrogent à mon propos, dis je suis proche. D'accord. Donc je suis proche, ça veut dire quoi? أجيب دعوة الداعي. Je réponds aux supplications de mes serviteurs. إذن سهل يس حين يعني المسألة تدوم 30 ثانية. Ça dure 30 secondes. تفطر تدعو دعاك مستجاب. أكثر من هذا. لك تعب. Tu n'es pas fatigué. Tu viens de manger. يعني كل فرحة. وأنت صايم كمان فيك صايم الظهر عصر. كلها. لكن أفضل وقت وقت الإفطار. للصائم دعوة لا ترد. ها؟ عند فطره وله فرحتان. الصائم فرحة. فرحة عند فطره وفرحة عند ملاقاة ربي. Il a deux joies. La joie de la rupture. D'accord. Et une autre, le jour de la rencontre de son Seigneur. Donc,
non, 30 da'wa de 30 supplications exaucées. لازم تخطف منهم واحدة 30 30 دعوة مستجابة هل يردك الله عز وجل إذا قبل واحدة سيقبل الجميع s'il accepte une il acceptera إن شاء الله toutes les invocations. فشهر رمضان ركز في الدعاء. ليلة القدر الدعاء فيها مستجاب. La nuit de destin الدعاء فيها مستجاب. فهذه فرصة مواسم استجابة الدعاء. C'est vraiment la saison pour, inshallah, afin que nous, la saison pour profiter, à y profiter, et inshallah, le dua sera exaucé. Donc là, on apprend la science du dua, ilm dua ou fan dua, comme s'appelle Mohamed al-Ghazali. Attention, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a déconseillé de nous impassionner et d'abandonner ensuite les supplications sous prétexte de ne pas avoir été exaucé au moment attendu. Wasbir, on a sabruka illa billah. Iyak, tawli. Iyak, ihdina sirat al-mustaqim. Combien de marra qulta, combien de fois t'as répété ihdina sirat al-mustaqim dans ta vie? 5 awqat. Alhamdulillah. 5 fois par jour. Combien de fois tu as demandé la guidance alors que, alhamdoulilah, nous sommes dans l'islam? Vous voyez, ça c'est entre guillemets, on a déjà, hein? Mais on demande toujours et on doit la Bouddha min al-muwadaba wa al-sabr. عندما تدعو tu dois patienter. Patienter jusqu'à la fin. Subhanallah. Il est nihay. Donc, nous a déconseillé de nous impassionner. Nahan al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne dois pas te dire, tu t'es révolté. Oh, ça fait long. Attention, ici, on parle de la révolte du cœur. Natahaddath an as-sakhat bil-qalb. Wa daliluhu at-tawaqqaf an-du'a. La preuve, j'arrête. Pourquoi j'ai arrêté le doigt alors que mes supplications ne sont pas exaucées? Mais de la mustajab li ba'd, wad wasl. Donc nous a déconseillé de nous impassionner et d'abandonner ensuite les supplications sous prétexte de ne pas avoir été exaucées au moment attendu. En plus, subhanallah, c'est Allah qui gère. Tu demandes Allah Azza wa Jalla par sa permission. Sans la permission d'Allah Azza wa Jalla, tu ne peux pas lever la main. Mais idha yassara laka ad-du'a, huwa sayassir laka al-ijab. Madame fataha laka bab ad-du'a, sayaftah laka bab al-ijab. Celui qui t'a ouvert la porte des supplications t'ouvrira la porte de l'exaucement. Donc il faut patienter. Hein? Et ce n'est pas le doua qui mène à l'exaucement. Toi, tu fais le doua. Et c'est Allah qui, Azza Azza wa Jalla, qui exauce ta demande. Anta tad'u. Wallah Azza wa Jalla yuqarr mata yujib. Wa kayfa yujib. C'est lui qui décide après. Ce n'est pas toi qui décide. Attention, quand tu fais doua, ce n'est pas une décision. Et tu n'imposes rien quand tu fais doua à Allah. لا واحد يفرض على الله شيء شو ما تدعيت يعني تعطيني شتي دوموندي تي مو دون سي با يا با دو دووا ici tu fais doua pour apprendre à te soumettre à Allah حتى تتعلم الادب مع الله عز وجل تتعلم ان الكل من عند الله c'est un apprentissage donc tu dois patienter inshallah. Ou que la réponse de Dieu aurait tardé, selon nous les humains. Donc il ne faut pas être impassionné, il ne faut pas abandonner les supplications sous prétexte de ne pas avoir été exaucé au moment attendu. Et en plus, je détermine à quel moment on hadd al-waqt, on t'a l'ijab.
كيفاش هذا؟ يجوز هذا؟ حب الإجابة اليوم. Maintenant, pour comme ça, je serai soulagé. Je veux la guérison, mais ça se fait pas ça. Ou que la réponse de Dieu aurait tardé. La hawla la. Ta'akharat l'ijab. Là, qui vient, je le qitar là, il t'akhar, je suis Suisse. Ici en Suisse, le train ne se retarde pas. Alors, imagine Allah Azza wa Jalla, la réponse d'Allah Azza wa Jalla. Et se retarde selon nous les humains. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam insiste pour dire il sera répondu à celui d'entre vous qui ne s'impatiente pas et pour autant qu'il ne dise pas j'ai adressé mes supplications et Dieu ne m'a pas répondu. Yustajabu li ahadikum ما لم يستعجل ويقول دعوت الله ولم يجبني. Donc je répète ce hadith qui nous montre طيب اخواني ما سوم الي فاتحه صالحه السلام عليكم صالحه صباح السلام عليكم الشيخ ما شاء الله يا ربي والله يشفينا الحمد لله هو ربي سبحانه وتعالى المبتلي وهو الشافي c'est lui qui nous met sous épreuve et c'est lui qui nous donne la guérison inshallah الحمد لله il a rien à il a aucun pouvoir sur nous الحمد لله والله كله من عند الله tout provient d'Allah عز وجل Marahba, bienvenue. Exactement, barakallah. Une belle parole. Alors, ici, donc, Inch'Allah, mes soeurs et mes frères, quelle est la meilleure supplication durant le mois de Ramadan? Donc, Inch'Allah, ce cours, c'est une préparation pour le mois de Ramadan. Préparer des doigts et décider dès maintenant, Inch'Allah, de. Être assidu, patient aussi à faire des invocations. Mais quel doua? Aïda. Aïda. Akhtar les doua. Afdal doua عندك شنو? Allahumma hdina fi ma hdayn. Shafi jami'a al-amrad. Da'wa wahda. Atini da'wa wahda afdalhum. Le meilleur doua. An yataqabbal a'malana wa siyamana ruku'ana wa sujudana. Bah. Si Abu Muhammad il a dit qu'Allah accepte, agrée nos actions. Très joli, très très joli. Ma soeur Mili, هذا الدعاء إلى أن تخرج الروح. Ce dua, qu'Allah agrée nos actions, accepte nos actions, hein, jusqu'à la fin. Pas seulement pendant le mois de Ramadan. Ma soeur Mili, est-ce que tu as un dua à nous proposer? Bien sûr, c'est personnel, mais ici je parle pour tout le monde, pour comme ça on peut. Oui. Prends moi et ma famille et mes parents et leurs parents aussi et les venir les nos ancêtres pour protéger, nous protège de ce monde et nous ramène au paradis. Voilà. Oui, j'utilise. Mais enfin, en albanais, je dis plus facilement. Bien sûr, on a tout compris. On a compris, c'est compréhensible, alhamdoulilah. Donc, demander pour sa famille. Guide-nous, protège-nous de l'enfer et... Un joli doua, tous les doigts sont jolis. Une fois, ma soeur Mélie, mes soeurs, mes frères, le prophète Sassem était en train de faire tawaf. Il y avait un bédouin derrière lui. Il marchait, il voyait le prophète Sassem. À un moment, il est allé vers le prophète lui dire Mais ana la uhsinu dandanataka ya Rasulallah. Il a dit Moi, je ne peux pas.
formuler des doigts comme toi, parce que c'est psalmodié, joli. Allahumma hadina fi man hadayt wa afina fi man afayt. Il a dit, le bédouin, moi, j'arrive pas à faire ça. Il a dit, hein, il a dit, dandanataka, dandanataka, yani, il en a fait, dandana. Donc, il y a un rythme. C'est rythmé ton doigt. Il a dit, toi, tu dis quoi? Comme il a dit, ma soeur Mélie, qu'Allah me donne le paradis et me protège de l'enfer. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, hawlaha nous dandino. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, moi, je demande le paradis et la protection contre l'enfer. Il a dit, nos invocations tournent autour de cette invocation, de ça. Subhanallah. Donc ça, c'est l'essentiel. Bien sûr, il est recommandé après le Fajr de dire cette fois, Allahumma, Allahumma ajirna minan nar. سبعة سبعة أبواب للنار والنار فيها سبعة أبواب لها سبعة أبواب لو زاد الواحد يعني سبعة إنه لو زاد لا اللهم أجرنا ما تزيدش سبعة السنة سبعة la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم après le fajr directement dire oh Allah protège nous de l'enfer après le maghrib la même chose Allah yujirik minan nar si tu demandes cette fois après le subh et après le maghrib. Allahumma ajirna minan nar, Allah te protégera. Pourquoi sept? Parce que les portes de l'enfer sont sept, au nombre de sept. Sept maghrib. Saba? Maghrib. Le subh. Le subh? Awal al-nahar. Wa saba awal al-layl. Allah yujiruka minan nar. Hayatak kulla. On a dit dua, dua à vie ça. On ne sait pas si Allah, Allah nous a protégés de l'enfer ou pas. Plus facile. La sunna du prophète est facile. Tu dis 30, mais tu ne peux pas continuer. 7, c'est très facile. Juste après la prière, Allah m'ajirna minan nar sept fois. Allah protège moi de l'enfer, sept fois. Donc ça, c'est un joli doigt aussi. Ma soeur Fatiha, un doigt. Pendant le mois de Ramadan, pendant la rupture du jeûne. Au moment de la rupture du jeûne. معكم سا لا لا اليوم اليوم واحدة فقط تظهر لي سي جوست وي اون يا كين سال aujourd'hui شيخ اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ما شاء الله او الله tu es indulgent accorde-moi moi ton indulgence. Ah, ben ça, c'est aussi magnifique. Donc, 30 fois, Inch'Allah, ce doa avant, après la rupture du jeûne, Inch'Allah, ou bien avant. Ma soeur Saliha, le meilleur doa pour toi, c'est quoi? Le meilleur doa, que Allah Ta'ala ismahli, que je m'adapte à lui quand je serai là, de me demander si ismahli, ou idini le jenna, ou ba'da ya Allah. Barakallah fik. Qu'Allah me pardonne, Inch'Allah, nos péchés antérieurs. Barakallah fik. Min al-ad'iya al-jamila, parmi les jolis doigts, c'est de demander l'amour d'Allah et l'amour de Sayyidina Muhammad. Allahumma, rizukni hubbaka wa hubba nabiyika. Al-mahab, demande plus d'amour. Mahab, il y a le kul. La récompense de le mahabba, c'est quoi? Ma huwa ajr al mahabba dhakarna bil ams. Azim. Idha hababt al rasul, hababt al jami', hababt Allah. Takun ma'ahu yawm al qiyamah. Tu seras avec lui, si tu aimes le prophète, tu seras avec lui. Mais tu n'as pas fait beaucoup de bonnes œuvres. C'est pas grave.
L'amour comble les manquements. Le mahabba, تتجاوز عن النقائص. فلذلك والمحبة تأتي من الله. C'est Allah qui donne, accorde la mahabba. On doit juste la demander. Donc, c'est bien aussi de demander et d'insister, de rester toujours patiente. Il ne faut jamais abandonner les supplications. Ne dis jamais la réponse de Dieu est retardée, qu'Allah nous pardonne. Il faut insister et il n'impose rien au destin. Ce n'est pas toi qui gères le destin. Tu es géré par le destin. أنت جزء من قدر الله ولست أنت القدر ولا أنت المتحكم في القدر c'est pas toi qui gère. Parmi les conditions à remplir pour être exaucé, le fait de vivre dans le halal. يعني يسأل الله عز وجل أن يرزقنا الطعام الحلال والأكل الحلال والمال الحلال. Demande toujours dans ce monde matérialiste qu'Allah nous donne, Inch'Allah, une subsistance licite, pure, bonne subsistance. Rizq al-tayyib, halal al-tayyib. C'est une condition fondamentale, hada shartun. Car celui qui vit par le haram, qui s'y complaît, qui ne fait même pas l'effort de se soustraire à la désobéissance de Dieu, ne sera pas entendu. Inna alladhi yaish min haram, li mi'amalsh majhoud. حتى يعيش من الحرام لا يمكن أن يستجاب له. Le haram et la désobéissance à Dieu ne l'occultons pas. Comment celui qui ne se soustrait pas à cela voudrait-il recevoir une quelconque réponse de Dieu? يعني اللي ما يجتهدش في البعد عن الحرام كيف يستجاب له؟ Le prophète صلى الله عليه وسلم nous a parlé de cet homme qui lève les ses mains au ciel en disant « Ô Seigneur, ô Seigneur !» alors que son manger est fait de haram, son boire est fait de haram, son vêtement acheté de haram, sa restauration de haram, comment voudrait-il être exaucé ?« Ta'amu haram, wa malbasu haram, wa mashrabu haram, wa ghudhiya bil haram. » أن يستجاب له. الله يرزقنا الحلال الطيب. كالله ندون إن شاء الله une bonne subsistance et nous éloigne de tout ce qui est illicite. سبحان الله. La réponse de Dieu aux supplications. Mes soeurs, normalement on s'arrête à 15, mais ça va, est-ce qu'on peut finir cette page? Même deux, chef. بارك الله فيك ما شاء الله. Inch'Allah, la volonté, comme salam, barakallah fikoum, inch'Allah. La réponse de Dieu aux supplications. La réponse de Dieu aux supplications du croyant, lorsque ce dernier demande une chose de ce monde, peut avoir diverses formes. Alhamdulillah. Istijabat al-du'a laha mazahir kathir. Ya'ani taqriban kull al-du'a mustajab. Lakin, kayf la nadri. Toutes les invocations sont exaucées. Mais comment? Il y a plusieurs manières. Il exauce comme demandé. Tu as demandé un travail, Allah te donne un travail. Combien de fois, subhanallah, tu as fait un doua et tu as vu juste après l'exaucement de ta demande. Comme une marra da'out, ou est-ce que tu as fait un doua fil hal. Wallah, quelqu'un m'a raconté une histoire. Je le connais comme je connais. C'est Abu Muhammad. Il avait besoin de 650 francs. Pour les envoyer au bled. Là, il m'a dit, j'étais comme ça en train de faire le doua vers le Qibla. Et avant de descendre mes mains, quelqu'un est venu et il m'a donné 650 francs. Avec, je pense, 20%, 20 francs de plus pour l'envoi pour la commission.
عليكم السلام ورحمة الله. حالي صباح أخويا. الله. قال كنت أدعو وكانت هناك ظروف عندي في البلاد لأمي والوالدي، وأردت كنت أحتاج 650 فرنك. والله هذا إنسان عاقل، سي كالكان كي يا فريمون لا غيزون، سي با كالكان كي دون لا فيكسيون أو بيان لي غيف، سي كالكان كوم حليم كوم كالكان بوزي. قال طلبت 650، أعطاني 650 وكان صدقني يا ربي نسيت نسأل، وأنا مرة أخرى إن شاء الله ونخبركم، وأعطاني ثمن الحوالة معاه. Donc il a demandé 650 francs, il a reçu au même temps, directement, 700. 650, pas 700, pas 600. Bon, Allah lui dit, j'ai exaucé ta demande. Qalu Rabbi Shno, qalu laqad ujibat da'watuka. Ta demande est exaucée. T'as encore des doutes? Subhanallah, 650. وقال لا انا ضليت سنه ادعي بالبيت انه الله يبعث لي بيت قريب على الجامع، والحمد لله الله ما بضيع. بارك الله في سيدي محمد، سيتي نيستواغ اوسي سون فيس ما راكونتي وين ماتنو اي فان اي تا تو كونسي افوار ان ميزون ا بري سي با فاسيل. il habitait à B. الله يبعث لي بيت ماله يعني ما له اسونسيل ماله درج يعني بس لحاله. شفنا كذا بيت على الخامس او على الرابع وبلا اسانسير ارفضه اطلع وانزل. سبحان الله. دونك اون اني بوندون اون اني il faisait cette demande. Oh Allah donne moi une maison ou un appartement à côté de la mosquée. Une année. Et il a trouvé des appartements mais sans ascenseur. Il a dit je peux pas monter. Donc avec cette condition en plus. Allah Azza wa Jalla lui a donné. Wallah ya Muhammad, et ça, c'est pas celui qui veut se rapprocher de la mosquée, Allah le lui facilite. Juste. Allah lui donne sa proximité. Ayy insan. Parmi les conditions de l'exaucement de la demande, c'est l'agrément des parents. Si tes parents sont, sont satisfaits de toi, c'est bon. Il y a tout qui marche. Amma, Allah al-musta'an. Ma rida Allah illa bi rida al-walidayn. L'agrément d'Allah dépend de l'agrément des parents. Subhanallah. Le paradis est sous les pieds de la maman, de la mère. Donc ça, c'est aussi très, très important. Ce n'est pas marqué dans les conditions, mais c'est clair. Il l'exauce comme demandé. Hein? Subhanallah. Et pourquoi on a des doutes? Subhanallah. Il l'exauce par une réponse autrement meilleure que celle demandée. Tu as demandé de l'argent? Il ne te donne pas de l'argent, mais il te donne le savoir. Tu préfères quoi? تطلب فلوس يعطيك العلم، أيهم أفضل؟ سي كوا المياه؟ كله جاء الحمد لله. نعم العلم العلم علم نور. العلم العلم أفضل من نور. المال المال يمشي والعلم يصاحبك sauf si tu dépenses dans le sentier d'Allah عز وجل. L'argent est voué à disparaître mais le savoir t'accompagnera dans ton savoir. Et même après ton départ, après ta mort, il te suivra, Inch'Allah. Donc ça, c'est, il l'exauce par une réponse autrement meilleure que celle demandée. Il la lui retarde jusqu'au jour dernier. Ça dépend. Si tu préfères cette option, c'est que ton cœur est attaché à la vie de l'au-delà. Si tu préfères la vie de l'au-delà, tu veux la récompense immédiatement, c'est que le cœur est attaché à la vie d'ici-bas. Vous aimez la vie immédiate. Salam. Hein? Al-ajila, c'est immédiate. Maintenant.
Cash, je veux cash. Ah, automate. Doua, réponse. Mais c'est pas mal, chérie. Donc, doua fil akhira afdal. Et vraiment, l'existence dans la vie de l'au-delà, c'est encore meilleur. Il éloigne de lui un malheur en compensation. Il éloigne de lui un malheur en compensation. Then, إما أن يستجيب لك في الحال أو يستجيب لك بطريقة أفضل من دعائك أو يستجيب لك في الآخرة أو يدفع عنك شرا. Il lui pardonne par ce fait. أو يغفر لك. ما أنت تدعو رابح. Tu fais دعاء, tu es gagnant. Ça me rappelle l'histoire, cheikh, d'un frère que je connais. Il y avait une femme au bled en Algérie. Elle avait besoin de faire une opération en l'œil. Il lui fallait, je crois que c'était 1000 euros l'opération. Lui, il a dit, il a pas cherché à comprendre. Il a reçu le message, il a fait, c'est bon, bloque la cagnotte, moi je donne tout. C'est bon. Masha'Allah. Et c'est moi qui la paye, c'est moi qui finance. Khlas, l'affaire, elle est réglée. Masha'Allah. Il part quelques temps après. Il reçoit un contrat de 10 000 euros. Subhanallah. Directement, quelques temps après. Et les gens, subhanallah, je vais traduire. Le frère Halim, il a dit, on a fait un collecte pour une dame en Algérie. Il avait un problème à l'œil. Et le frère, il était à Paris ou en France. Il a dit, bloque la cagnotte, c'est moi qui paye tout. Juste après, il a reçu un contrat de 2000 euros. 10 000 euros. Yani, 10. Hein, c'était 1000 euros. 1000 euros fois 10, c'est vrai. Voilà, subhanallah. Ça, c'est un subhanallah. Al-Hassanat bi 10 amthal. Waalaikum salam, Samad. Ça va, tu vas bien? Oui. Mashallah. Combattant, mashallah, Samad. Combattant. Ouais. Bravo. Subhanallah, mon frère, j'ai pensé à... Quand je suis venu ici en Suisse, j'ai fait un apprentissage de sanitaire à Genève. Ouais. Et il y avait celui qui s'occupe de moi pour me montrer le stage. Et voilà, quand tu fréquentes les gens, tu es content de notre culture. Subhanallah, à la fin de la journée, il passe au bistrot. C'est un rite, un rituel. Ouais. Il doit passer après, à la fin de la journée. Il m'a dit, avant de rentrer chez moi, je dois tout d'abord me décompresser. Ah, comme ça. Et je vois le frère Samad, il fait 200 km ici. Mais avant, des fois, même plus. Hein, et avant de rentrer chez lui, il passe à la mosquée. Donc là, j'y pensais. Bravo, Allah. Alhamdoulilah. Mais on doit, mes frères, en général, on doit mettre l'accent sur tout ce qui est positif dans la vie. Le négatif, il y a beaucoup de gens qui parlent du négatif. Il y a assez. D'accord? Tu n'as pas besoin. Parle des exemples comme ça. Quand tu vois quelque chose de bien, il faut l'amplifier. Azzam al-khayr. D'accord? Parce que le problème, le bien, il est opprimé. Il est oublié. Il est négligé. Les gens ne parlent pas de bien. C'est surtout que c'est une voie plus difficile à prendre que le mal. Le mal est facile. Difficile. Celui qui l'apprend, il ne va pas parler. Le mal est facile au début. Hein. Mais à la fin. Ah oui, les conséquences, tu les payes. Le char, c'est le halou fil bidaï. Huffat il jannatu bil makar. Donc, subhanallah. Donc, il lui pardonne par ce fait. Inch'Allah, donc on va finir avec la réponse de Dieu. Allah répondra à tes supplications. Soit il exauce ce que tu as demandé, istajib li matalat, soit il te donne, il te répond d'une manière meilleure, d'accord? Comme on a dit, tu demandes de l'argent, il te donne une fille pieuse ou la salette.
بارك الله فيك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحان الله رب العالمين. شكرا مسيح حنان ان شاء الله. شكرا جزيلا. ميرسي ميرسي بارك الله فيكم. شكرا.